Zami mwen, nou pa bi jam sispan kle ou ne nan zorey ou. Bon Dieu Créateur a remè ou, li remè ou, tout bon vrai. Parler de l'amour de Dieu est un privilège extraordinaire. Expérimenter l'amour de Dieu est une grande bénédiction. Et lè ou arrivé comprendre et lè sou transformé positivement par l'amour de Dieu ou tourné yon source de bénédiction. La première épître de Jean au chapitre 4, verset 7 à verset 21, présentez-nous l'amour de Dieu et ses conséquences. C'est yon nan pi bel chapitre nan Bible qui non seulement parle nous de l'amour de Dieu, mais insiste pour dire nous que Dieu est amour. Le Dieu créateur, notre Dieu, il est amour. Dieu ne possède pas simplement l'amour, mais dans sa nature, il est amour. Et déjà, élément de connaissance ça, sur la personne et l'œuvre de Dieu, t'a de fait nous commencer réjouis-nous. Réjouis-nous parce que notre plus grand besoin, c'est l'amour. Le plus grand besoin de l'homme, c'est d'être aimé. Tendez bien, moi pas dit être exploité, moi dit être aimé. Ici, on a parlé de l'amour vrai. Expérimenter l'amour vrai, c'est une plus belle expérience l'homme capable de faire. Nous soif l'amour, nous besoin l'amour, nous pas qu'à vivre sans l'amour. Et heureusement, le grand créateur, notre Dieu, il est amour. D'où ici, Dieu est mon plus grand besoin. Et lui seul est capable de satisfaire mon plus grand besoin. Ou doit content, zami mwen, parce que bagay ou besoin plus là, le Seigneur, il possède et il est amour. Tendez, les richesses matérielles, c'est pas eux-mêmes qui plus grand besoin ou même. Parce que ça qu'on rivait, ou gen richesse matérielle, ou gen manger, ou gen zami taille, mais malheureusement, ou pas satisfait, parce que ou manque l'amour. Dieu est amour. Et la grande vérité, Dieu vous aime. Bon Dieu aime tout bon vrai. Il vous aime par grâce. C'est une grâce, li, ça veut dire, li aime même l'on pas mérité ça. Tenez bien. En réalité, la Bible n'est pas défini nous l'amour de Dieu. La Bible ne propose pas une définition à l'amour de Dieu, mais plutôt la Bible nous donne les preuves de l'amour de Dieu pour nous. Bon Dieu remè ou. Zami mwen, bon Dieu prouve li remè ou. Li remè ou tout bon vrai. Mwen même avè ou, depuis nous gen plus connaissance, nous sommes plus exigeants par rapport avec qualité moun, nous devons partager relation d'amour. Depuis nous gen plus bien matériel, nous ouais l'amour en l'autre façon. Et certaines fois même, capacité nous fait que nous pas gen relation d'amour avec n'importe qui. Nous très exigeants. Mais bon me rappelle, le Dieu créateur, il possède toute la connaissance. Le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, l'or et l'argent sont à lui. Ça veut dire, malgré le statut assez élevé de Dieu, il descend à un niveau nous, pour le remettre nous, pour le prouver combien et comment le remettre nous. Dans 1 Jean chapitre 4, l'apôtre la fin dit nous, Dieu est amour. Dans verset 19 là, il dit, Dieu nous a aimé le premier. Ici, apôtre là, l'a parlé non seulement de la qualité de l'amour de Dieu, mais qui côté l'amour ça situé lui par rapport avec l'autre monde qui remet ou bien qui prétend que remet nous. Texte très clair. Dieu nous a aimé le premier. Gen pile monde, c'est vrai, maman et papa yo remet yo en pile. Mais avant maman yo ak papa yo remet yo, bon Dieu créateur, te remè yo et remè yo avant. Et l'amour de Dieu lui surpassait
en qualité de l'amour de vos parents pour vous. Bon, c'est vrai, ou remet propre tête, mais n'a rappelé, Dieu vous a aimé le premier. Et qualité l'amour bon Dieu pour vous-même, li dépasser de loin qualité l'amour que vous gagnez pour propre tête. Bon, Dieu également, ennemi ou yo, yo raï ou. Mais bien avant ennemi ou yo raï ou, bien avant ennemi ou yo montré yo raï ou, Dieu, il vous a aimé le premier et il a prouvé son amour pour vous. D'où si malheureusement vous avez expérimenté la haine de vos ennemis, pas jamais oublié. Dieu vous a aimé le premier et au besoin pratiquement expérimenter l'amour de Dieu pour vous-même. Et l'amour que vous dites ou gagnez pour Dieu, il n'est que la conséquence de l'amour de Dieu qui est en vous. Parce que Dieu vous a aimé le premier. L'amour de Dieu est la cause. Et votre amour pour Dieu n'est que la conséquence ou bien l'effet de l'amour de Dieu pour vous. En réalité, amis, moi, la vie, c'est résultat l'amour de Dieu pour vous-même. La vie est capable de résumer comme l'histoire de l'amour de Dieu pour vous. Et vous connaissez ça qui est belle là, parfois, il y a des gens qui ont aimé, il faut un pile exigence. Mais Dieu, il vous aime tel que vous êtes, parce qu'il vous a aimé le premier. Dans Romains chapitre 5, verset 8, en réalité, il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens de bien, mais nous autres, Dieu nous a aimé lorsque nous étions des impies. L'aime pas de bon même, il nous a aimé le premier et son amour pour nous est vrai. Pour dire aimer aux amis moi. Et qu'on y a ça nous besoin une nouvelle vision, nous besoin la vraie révélation de l'amour de Dieu et le comprendre l'amour de Dieu et qualité d'amour de Dieu gain pour nous-mêmes, me garantir la vie a transformé. Nous besoin en prière pour demander à Dieu la capacité de voir, de sentir son amour pour nous dans tous les domaines et les détails de notre vie. Et sans pas rendre compte, tout bon vrai, l'amour de Dieu se trouve dans les détails de votre vie. Il y a des choses qui paraissent insignifiantes, mais c'est l'amour de Dieu qui a conduit ou protégé là-dedans. Dans la négligence, Dieu vous aime. Dans la faiblesse, Dieu vous aime. Dans l'incapacité, bon Dieu remer. Ou besoin demander bon Dieu la grâce nécessaire pour capable au moins comprendre une étincelle de l'amour de Dieu pour vous-même. Et ça, la suffit pour transformer la vie. Ça veut dire ou pas n'importe monde. Parce que le grand Dieu créateur, lui intéressé ensemble avec vous, lui valorisé, lui remer. Et comprendre l'amour de Dieu, c'est une grande source de bénédiction. Parce que quel que soit le monde qui comprenne l'amour de Dieu pour lui-même, le monde ça l'a transformé. Il n'y a pas qu'à vivre même gens dans la relation, dans le rapport avec le Seigneur. Il n'y a pas qu'à vivre même gens avec les autres. Parce que maintenant, il comprend dans quelle dimension bon Dieu créateur remet. L'amour de Dieu nous transforme. L'amour de Dieu nous restaure. Parce que Dieu, il nous a aimé le premier et il nous aime réellement. Jean 3, le verset 16, rappelez-nous, il nous a tellement aimé, Dieu nous a tant aimé, nous pas capable de mesurer les profondeurs et les dimensions de l'amour de Dieu pour nous. Bon Dieu aime nous tout bon vrai amis moi. Il vous a aimé le premier. Qu'on y a ou pas besoin de plaigner parce que l'autre monde pas aimé, ou pas besoin de plaigner parce que l'autre monde raillé. Dieu vous aime réellement et il vous a aimé le premier. Ou pas besoin de faire tête ou du tort. Ou pas besoin de gagner une pensée négative de votre personne. Parce que gagne moun, ou bien vous trahi ou bien vous trompé ou bien vous pas aimé. Dieu, il vous aime. Il vous a aimé le premier. Et son amour pour vous est vrai. C'est vrai, ça qu'on rive. Seulement yon moun ou te pensé que te remè ou, li déclaro, li moutro, li bo des preuves que le pa remè ou encore, ça saccage ou, ça bouleverse ou, ça poto ale, mais pas oublier. Dieu, il vous aime. Et ou gen des preuves tangibles
des preuves palpables de son amour pour vous. Et preuves, ça vous trouvez dans toutes les dimensions de votre vie et dans tous les détails de votre vie. Réellement vrai, amis moi, bon Dieu, remèrent. Pas de monde qui te remèrent avant le Seigneur remèrent. Pas de monde qui remèrent aussi fort que le Seigneur remèrent. Dieu vous aime. Et l'amour, bon Dieu, pour vous-même, vous les transformez positivement. L'amour de Dieu pour vous-même, les valoriser. L'amour de Dieu pour vous-même, la restaurer. Et leur comprendre l'amour de Dieu, leur expérimenter l'amour de Dieu, nous garantir la vie ou abtourner une source de bénédiction. Amis, moi, c'est vrai, problème yon pile, difficulté yon pile. Mais pas jamais oublier. Dieu vous aime. Il vous a aimé le premier et son amour pour vous est réel et vrai. Ou en quantité preuve réellement tout bon vrai depuis toujours et pour toujours. Dieu vous aime. Que ces paroles soient une source de consolation pour vous. Que ces paroles capables de déboucher non source de bénédiction dans la vie humaine. Vous aime. Il vous a aimé le premier. Amen. Amen. Amen.